Dans cette vidéo, je vous propose de tricoter un bonnet adulte ou enfant au point damier, soit aux aiguilles droites. Donc là, je vous montre le point damier aux aiguilles droites. Et moi, je vais vous le montrer à l'aiguille circulaire. Donc là, j'ai commencé de monter mes mailles. Et je les mets bien toutes dans le même sens. En répartissant les mailles tout le long de l'aiguille pour bien pouvoir commencer. Commencer, on va tricoter en côte de 2 pour toutes les tailles pendant 4 cm. Donc avec l'aiguille circulaire, on tricote la première maille, une maille en droit, deuxième maille en droit, deux mailles en vert. Et ceci jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le rang à l'aiguille circulaire. Donc au début du rang, j'ai mis un marqueur que je montrerai au fur et à mesure de l'avancement du tricot. Aux aiguilles droites, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, comme on a terminé par deux mailles en vert, on tricote deux mailles en droit comme elles se présentent. À l'aiguille circulaire, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc comme le premier rang. Et tous les rangs se tricotent de la même façon. Alors, il y a un petit espace entre la dernière maille et la première maille, mais cela se régularise en tricotant le deuxième rang. On a commencé par deux mailles en droit. On continue les côtes par deux mailles en droit. Et on continue avec deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit. Et ceci pendant 4 cm pour toutes les tailles. Je voulais préciser qu'avec les aiguilles droites, le bonnet côté en droit se trouve sur les rangs impairs, c'est-à-dire au premier, troisième, cinquième rang. Donc quand on coud le bonnet, on le coud du côté envers sur les rangs pairs. Alors qu'avec les aiguilles circulaires, l'envers se trouve du côté que l'on tricote au premier rang. Et on le voit pour les côtes. Donc là, je tricote dans ce sens-là. Donc voilà, donc là, c'est l'envers. Et l'endroit pour la couture des diminutions se trouve de l'autre côté. Voilà l'endroit. Tricoter droit au point damier jusqu'à une hauteur totale
pour la taille 1 de 21 cm, la taille 2 23 cm, la taille 3 26 cm, la taille 4 29 cm et 31 cm pour la taille 5. Terminez droit par un 8e ou 4e rang pour ensuite faire les diminutions pour l'arrondi du bonnet. Pour l'arrondi, pour toutes les tailles, on va tricoter de la même façon, c'est-à-dire deux mailles en droit ensemble et tricoter les deux mailles envers normalement, deux mailles en droit ensemble, deux mailles envers, deux mailles ensemble en droit, etc. Si l'on a terminé comme moi par deux mailles en droit, on va commencer par deux mailles en droit. Donc on tricote les deux mailles en droit ensemble. Deux mailles envers. Deux mailles ensemble en droit. Deux mailles envers. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, une maille en droit, deux mailles envers, une maille en droit, deux mailles envers, ou vice versa. Une maille en droit, deux mailles envers, une maille en droit, deux mailles envers, et ceci jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, on va tricoter une maille en droit et les deux mailles envers ensemble. Une maille en droit, deux mailles envers ensemble. Tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Au quatrième rang, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, moi, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et ceci jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on coupe le fil et on le passe dans une aiguille à tapisser. Et cette aiguille, on va la passer dans les mailles au début du rang jusqu'à la fin du rang, puis serrer et coudre sur l'envers le haut du bonnet.